Bonjour, les 48 heures des métiers d'avenir, ça continue, organisé par IARSUP, Epitech et ISEG. Et nous recevons maintenant Jean-François Tostini, le producteur et fondateur de TAT Productions. Bonjour. Bonjour à tous. Pour une conférence intitulée « Les métiers et l'avenir du cinéma d'animation », très populaire, j'imagine. Je pense que le mieux, c'est qu'on regarde une petite vidéo qui présente votre société, afin que tout le monde apprenne à vous connaître. On lance la vidéo tout de suite. Merci. Hello, my friend. Hey there, personal survival module for cases of emergency landing on an unknown planet. Rule number two, carefully choose your jester. What's green and wears a helmet? A cucumber knight. That's dumb. No, it's not. Yes, it is. That's enough. Back in the pocket. No, not in the pocket. Not the pocket. It's all target here. Quel plaisir, vraiment. Hein, c'est je vous remercie déjà. En plus, vous utilisez des musiques absolument cultes, que ce soit les Sept Mercenaires ou Eye of Tiger, Rocky III. Merci. Alors, Jean-François, travailler dans le film d'animation, c'est une passion, c'est une vocation. Comment ça s'est passé pour vous? Alors, on est trois associés qui ont monté la société il y a 20 ans et qui sont toujours les trois associés principaux de la société. Et quand on est... Donc, moi, j'ai une cinquantaine d'années, donc... Quand on était tout gamin, c'est-à-dire qu'on avait 10-12 ans, on était déjà passionné par le cinéma et par tout ce qui était effets spéciaux, animation, et on avait vraiment envie de comprendre comment ça fonctionnait. Donc on a cherché, à l'époque il n'y avait pas Internet, il fallait commander des livres, des revues, lire des articles, ce qui semble un peu bizarre aujourd'hui, mais bon voilà, on a cherché et on voulait vraiment comprendre comment on fabriquait de l'animation. Donc tout enfant, on a commencé à faire des choses avec une caméra Super 8, puisque un de mes associés, son père, avait une caméra Super 8, et on a commencé à apprendre à faire de l'animation image par image. Puis, on vient d'un tout petit village, nous, à côté de Perpignan, et on ne pensait pas du tout que c'était des métiers, en fait. Qu'il y avait des gens qui pouvaient vivre de ça, en fait. Donc, à la fin du collège, on a commencé à faire des études assez standards, classiques, et on a fait tous les trois après des études scientifiques.
Moi, j'ai moi-même été prof de maths pendant 5 ans. Mon frère, qui est un de mes associés, est ingénieur en génie civil. Le troisième a fait des études de mécanique, dans l'aéronautique. Il y a vraiment des... On a fait des études qui n'avaient strictement rien à voir avec l'animation ou le cinéma, mais on était profondément passionnés. C'est-à-dire qu'on a continué tout le temps à regarder des films, lire, essayer de comprendre comment on faisait des effets spéciaux, comment on fabriquait des films. Et puis, cette passion... était tellement forte qu'elle a fait que finalement on a fait des rencontres parce qu'on traînait dans les vidéoclubs, dans les festivals. Donc on a commencé à rencontrer des gens qui, eux, faisaient des études de cinéma. Et là, on a compris à un moment que oui, ça pouvait être un métier en fait. Et même si on a eu un parcours totalement autodidacte, on a réussi à intégrer petit à petit, par la passion, ce milieu. Vous êtes arrivé dans le milieu au moment où il y avait une transformation, on passait vraiment vers l'image numérique, c'est ça ? Ou vous êtes arrivé un petit peu avant ? Non, ben nous, on est arrivé juste à ce moment-là et je pense que c'est vraiment ce qui nous a permis d'exister. C'est-à-dire qu'on avait... Faire du cinéma avant, ça demandait forcément des moyens colossaux. Avec l'arrivée du numérique, même s'il faut toujours des moyens importants pour faire des films, mais il y a quand même l'arrivée du numérique qui a fait que, entre guillemets, n'importe qui pouvait avoir accès à une caméra, encore plus maintenant avec les téléphones portables, et commencer à faire des films. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde va savoir faire des films. Mais en tout cas, cet accès au numérique nous a permis, avec une caméra vidéo et un ordinateur qu'on a tous chez nous, quoi, un ordinateur pas forcément professionnel, de commencer à faire des choses. Et après, je pense que notre acharnement, notre envie, notre travail, et quelque part sûrement aussi notre talent, a permis qu'on arrive à se démarquer et à faire des premières choses qui ont été remarquées. Mais c'est vrai que sans le numérique, je pense qu'on n'aurait jamais pu débuter. Donc nous, on est vraiment des enfants du numérique. On a commencé à faire des choses vraiment un peu plus sérieuses en 97-98. C'était vraiment l'arrivée et la démocratisation des premiers outils numériques. Alors selon vous, quelles sont les compétences nécessaires pour travailler dans le film d'animation ? Pour savoir déjà si les étudiants ou les lycéens qui nous regardent, si c'est foutu ou alors s'ils vont pouvoir s'accrocher. Alors, les compétences, enfin, alors c'est sûr que quand on veut travailler dans l'animation, c'est quand même pas mal de savoir dessiner. Est-ce que c'est obligatoire ? Non, mais c'est quand même une aide. En tout cas, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir le sens de l'observation, puisque quand on fait de l'animation, même si on invente des univers, si on crée tout à partir de zéro, tout a une base dans le réel, absolument tout. Et il faut être observateur, il faut avoir envie de comprendre comment fonctionne le monde. En termes physiques, en termes de mouvement des gens dans la rue, en termes de un arbre, quand le vent lui souffle dessus, comment bouge ses feuilles, quand il y a de l'eau qui coule dans une rivière, comment ça se passe. Voilà, il faut avoir cette curiosité. Après, il faut être très rigoureux, parce que c'est quand même des métiers, l'animation, où la rigueur, où on allie une rigueur technique à un sens artistique, donc il faut être très rigoureux. Il faut être aussi, il faut vraiment avoir le sens du travail en équipe, parce que l'animation, c'est vraiment fabriquer une série d'animation, un film d'animation, c'est vraiment un travail d'équipe. On est très nombreux dans le studio et il faut que tout le monde travaille avec tout le monde et que tout le monde comprenne le travail des équipes qui les précèdent et le travail des équipes qui viennent après. Il faut travailler avec les autres, ceux qui sont avant, et pour les autres, ceux qui sont après. C'est vraiment un travail d'équipe. Il faut avoir ce sens-là quand même. Puis il faut avoir aussi une certaine modestie, même si on a du talent. Parce que la plupart des gens qui travaillent dans des studios d'animation ont un vrai talent artistique. Il faut avoir une vraie modestie parce qu'en général, quand on travaille dans un studio, on ne fait pas ses propres projets. On travaille pour le projet des autres, pour la vision d'un réalisateur ou d'un producteur. Donc, il faut avoir cette forme de modestie, même si on a du talent. Combien vous êtes d'ailleurs au sein du studio ? Alors, actuellement, on est entre 120 et 130. Ah oui, oui, c'est quand même énormément de monde. Alors, comment fait-on ? Quand on a un géant qui s'appelle les États-Unis en face de nous, comment on fait quand on est en France pour arriver à exister ? Est-ce qu'on va forcément vers un produit différent pour éviter d'être en concurrence frontale ? Comment ça se passe ? Alors moi, nous, ce qui est assez marrant, c'est que nous, chez TAT, on est un peu des exceptions en France. Parce qu'en France, le choix de la plupart des producteurs, c'est justement de développer des projets très différenciants, très différents de ce que font les Américains, de plus aller vers quelque chose soit plus auteur, avec des techniques traditionnelles, le dessin animé, la pâte à modeler, ou alors avec des discours plus adultes. Nous, chez TAT, on a cette particularité, c'est qu'on est parmi les seuls producteurs français à aller en concurrence frontale avec les Américains. Mais par contre, on a compris dès le départ, et on a toujours vécu avec cette idée-là, que c'était impossible de faire, entre guillemets, aussi bien qu'eux, parce qu'on n'a absolument pas les mêmes moyens. Donc,
On a beaucoup entendu de gens dans les studios d'animation dire on va devenir les nouveaux Pixar, les nouveaux DreamWorks, on va devenir le Pixar français. Le seul problème, c'est que c'est juste impossible parce qu'on n'a pas l'argent. Donc nous, ce qui nous influence et ce qu'on a envie de faire, c'est ce qui ressemble à l'animation américaine. Mais on sait qu'il faut le faire d'une autre manière, plus intelligemment, en étant plus économe. Et en même temps, on a vraiment nos sensibilités européennes. Donc, même si on s'inscrit dans des codes qui peuvent faire penser fortement au cinéma américain d'animation, on a quand même notre particularité. À l'étranger, on nous le dit beaucoup. On nous dit beaucoup que ce qu'on fait, c'est super techniquement, c'est hyper beau, qu'on rentre dans les standards des films, les standards un peu imposés par les studios américains, mais qu'en même temps, on a vraiment notre particularité, peut-être un côté un peu décalé, un peu plus décalé que ce qu'osent faire actuellement les studios américains, je ne sais pas. Bah, il faut espérer, en tout cas. Alors, peut-être moins formaté, en tout cas, certainement. Oui. Alors, quels sont les différents postes au sein de TAT pour guider un petit peu les élèves? Il y a beaucoup de métiers différents. Fabriquer un film d'animation, c'est comme fabriquer un film en général. C'est d'abord, il faut un scénario. Donc, il y a quand même une histoire. Donc, il y a quand même des auteurs. D'abord, il y a des auteurs, des gens qui écrivent des histoires, qui écrivent des scénarios. Ensuite, on a des gens qui font du développement graphique, de la création graphique, c'est-à-dire en animation, évidemment. On a une histoire, mais ce qui est hyper important aussi, c'est le graphisme et on invente des univers graphiques. Donc, il y a des gens dont le métier, c'est de faire de la création graphique. Ça, c'est le tout début. Donc, quand on a un projet, on a de l'écrit et du visuel. Et là, on commence à avoir quelque chose qu'on va développer. Et ensuite, il y a toute une chaîne qui se met en branle dans le studio où on va fabriquer petit à petit tout ce dont on a besoin. Alors, il y a des gens qui continuent à dessiner beaucoup pour dessiner tous les éléments qui vont apparaître dans le film ou dans la série, les personnages, tous les petits objets qu'on rend dans le décor, il faut les dessiner quand même, c'est du dessin ça, en 2D, même si c'est sur une tablette graphique, hein, mais c'est du dessin. Et après, comme nous on fait de l'animation 3D, là on va passer à vraiment la fabrication 3D, il va y avoir d'abord des modeleurs. Alors les modeleurs, c'est ceux qui vont transformer en volume virtuel des dessins, c'est-à-dire il y a une chaise, quelqu'un a dessiné une chaise, il va falloir la fabriquer en 3D, c'est comme si on fabriquait vraiment avec du bois une chaise, mais sauf que tout est virtuel dans un ordinateur. Il y a toute cette équipe de modeleurs. Après, il y a des gens qui font de la texture, c'est-à-dire sur ces modèles 3D, il va falloir venir poser des couleurs, des matières. Est-ce que c'est du verre, du bois, du métal? Est-ce que c'est rouge, bleu, vert? Enfin, voilà. Il y a une équipe qui s'occupe des textures. Et après, on assemble tous ces petits bouts pour faire un décor dans lequel on va mettre nos personnages. Il y a une autre équipe qui fait du modeling, de la modélisation de personnages, qui va fabriquer les personnages, leur mettre de la peau, des cheveux. Donc, c'est des équipes spécialisées. Donc, il y a pas mal de gens. Après, il y a ce qu'on appelle les animateurs. Les animateurs, c'est vraiment ceux qui vont faire bouger les personnages dans les scènes. Donc, en fait, on construit des personnages et on leur met un squelette dedans pour qu'ils soient articulés. Et après, il y a vraiment des animateurs. Mais il faut comprendre que tout ça, c'est comme un théâtre de marionnettes ou comme des petits jouets, des Playmobil ou des... Voilà. Mais sauf que tout est virtuel dans un ordinateur. Et puis, il y a des gens qui vont faire bouger les petits boudins. Ça, c'est les animateurs. Puis après, il y a d'autres phases. Il y a des gens qui vont s'occuper de ce qu'on appelle l'éclairage et le rendu, qui vont venir dans cette scène positionner des projecteurs pour éclairer la scène. Alors, si on est en extérieur, on va mettre un gros projecteur qui va figurer le soleil. Si on est en intérieur et qu'on est éclairé à la bougie, on va mettre plein de petites lumières qui tremblent pour évoquer une lumière de bougie. Et tout ça, c'est un travail assez artistique, mais aussi hyper technique. Et bon, alors voilà, après, bon, je vais pas rentrer dans le détail de tous les postes, mais voilà, il y a tous ces postes techniques où on est en même temps dans quelque chose de très rigoureux, mais aussi très artistique. Et il faut combiner les deux. Et après, il y a tout le travail du son, puisque évidemment, comme nous, quand on fait de l'animation, on a zéro son. Et après, il y a tous les métiers du son, il y a le bruitage, le compositeur de la musique, il y a des comédiens, évidemment, qui font les voix. Et puis après, il y a des gens qui viennent assembler tout ça, qui viennent faire ce qu'on appelle du montage son. Et puis après, des gens qui viennent mixer le son, c'est-à-dire régler les différents niveaux de son entre eux. Est-ce que ce qu'on veut dans cette scène, c'est que le dialogue soit plus fort que l'ambiance et que la musique? Ou est-ce qu'on veut que le dialogue, parce qu'il n'est pas très important, soit un peu noyé et que la musique soit très forte pour créer un sentiment particulier? Et voilà, il y a plein de métiers. Alors ça, c'est pour la fabrication du film. Mais dans une société comme la nôtre, qui est quand même vraie, qui n'est pas que juste un studio où on fabrique de l'animation, c'est quand même une société. Il faut aussi tout un groupe de gens qui s'occupent de la gestion de la société. Donc on a aussi des comptables,
Enfin, voilà, une responsable financière, une responsable RH, des gens qui s'occupent de la communication, des gens qui s'occupent, de gérer les studios physiquement, les lieux. Enfin, donc, il y a des métiers qui sont très spécifiques à l'animation, mais dans un studio comme le nôtre, il y a aussi des gens qui viennent d'horizons totalement divers et qui se retrouvent à travailler dans l'animation, mais pour faire un travail qui n'est pas directement lié au métier du dessin animé. Ils sont là pour faire vivre le projet une fois qu'il existe. Exactement. Une communication. Il y a 20 ans, les dessins animés, clairement, c'était un truc pour les enfants. Il n'y a pas d'adultes qui regardaient vraiment les dessins animés. Vous sentez que ça a changé, que ça va changer de plus en plus? Alors, ce qui a changé fondamentalement, c'est, ben là, encore une fois, tout est porté quand même, il faut le reconnaître, par les studios américains. Hein. On a eu le premier Toy Story, donc le premier film en 3D produit par Pixar, qui a vraiment changé la donne. C'est-à-dire là, vraiment, on avait une proposition qui s'adressait plus qu'aux enfants, mais aux enfants avec leur famille au cinéma. Et on a plusieurs niveaux de lecture qui font qu'on est passé petit à petit quand même des longs-métrages d'animation qui étaient purement à destination des enfants à des longs-métrages plus familiaux. C'est-à-dire que c'est des films qui sont évidemment destinés en premier lieu aux enfants, mais qu'on essaie d'imaginer, de créer, de fabriquer en pensant aussi aux adultes qui les accompagnent au cinéma. Ça a été un premier changement fondamental. Ce changement est intervenu un peu plus tard en télévision, mais ça commence aussi à arriver pour les séries télévisées. Et Les As de la Jungle, c'est un bon exemple qu'on a produit. La série qu'on a produit, c'est un bon exemple de ça, puisqu'elle s'adresse aux enfants, mais aussi à leurs grands-frères, grandes-sœurs, aussi à leurs parents. Et ça, voilà, ça a étendu vraiment le public de l'animation. Et en plus, au-delà de ça, on a depuis quelques années, mais ça c'est quand même finalement un peu plus récent, de plus en plus de projets qui sont carrément à destination des adultes. C'est-à-dire que ce premier step de passer par l'animation n'est pas que pour les enfants, mais pour la famille, a permis aussi de dire l'animation, ce n'est pas juste du dessin animé un peu bête, c'est des vrais films, c'est des vraies œuvres, c'est des vrais programmes, c'est des vraies choses qu'on peut regarder comme des vraies œuvres complètes. Et donc ça a permis à l'animation, paradoxalement, alors que finalement les scènes-là sont faites pour les enfants et pour les familles, c'est ça, c'est le succès de cette animation familiale qui a permis, je pense, à une animation plus adulte de se développer. À la télé un petit peu, beaucoup au cinéma, et donc maintenant on a régulièrement au cinéma des films d'animation qui sortent et qui sont clairement pas pour les enfants. Et il y a des séries, on les connaît toutes, qui sont clairement pas pour les enfants à la télévision. Bon, et vous adaptez à tout, vous savez tout faire, de l'enfant, de l'adulte. J'ai l'impression que je parle d'un magasin de vêtements, mais en fait, on peut tout faire, mais nous on a une ligne éditoriale assez claire, c'est-à-dire nous, notre volonté c'est de faire des films familiaux, donc, à destination des enfants et de leur famille. Voilà, nous, c'est ça notre ligne éditoriale, et c'est vrai qu'on n'en démord pas, parce que c'est dans ça qu'on se reconnaît, c'est ce qu'on aime faire, et je pense qu'en plus, c'est ce qu'on sait plutôt bien faire. Et c'est assez important, je pense, quand même, pour un studio, d'avoir une ligne éditoriale identifiée, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même on est une société commerciale, et on est dans un milieu ultra concurrentiel. Donc, c'est important d'avoir une image bien identifiée sur le marché. Vous pensez qu'il va y avoir de plus en plus des passerelles entre le film d'animation, le jeu vidéo et la publicité? Ben, il y en a déjà, parce que de toute manière, en termes de formation, par exemple, les étudiants qui font de l'animation ou qui font du jeu vidéo peuvent très bien et très facilement passer de l'un à l'autre. Nous, on a beaucoup de nos employés qui étaient avant dans le jeu vidéo, certains employés qui s'en vont pour aller travailler dans le jeu vidéo. C'est le même type de fabrication, c'est le même type de logiciel, c'est le même type de technologie. Donc là, les liens, ils sont vraiment établi. Pour la publicité, après, ben, oui, dans l'absolu, il y a des publicités en animation, on peut faire de la publicité, nous on l'a déjà fait, et il y a des liens qui existent entre toutes les sociétés de création de production audiovisuelle, il y a toujours des passerelles vers la publicité. Alors, nous, à Paris, vous êtes à Toulouse, mais je prends l'exemple de Paris, c'est quand même la ville du monde, il y a plus de salles de cinéma. Est-ce qu'on travaille de la même manière sur un film s'il est fait pour être vu dans une salle, sur un immense écran, ou alors vu sur un ordinateur, ou sur un écran télé, ou sur un téléphone? Ben oui, puisque nous, on a expérimenté les deux, puisqu'on a fait de la télé, et maintenant, on fait des films à destination de la salle de cinéma. Donc, oui, il y a une vraie différence. Alors, il y a d'abord une différence technique, purement, hein, c'est-à-dire qu'une image qu'on regarde sur une télé, elle est fabriquée à une définition un peu moindre, avec moins de détails dans l'image. Et quand on prend cette image et qu'on la projette sur un écran géant de cinéma, ben c'est pas super, super joli. Donc oui, il y a vraiment un degré de qualité à passer et qui est en fait assez compliqué à passer. C'est pas juste appuyer sur un bouton pour dire c'est plus joli. Hein. Ça veut dire qu'il faut travailler tout plus en détail,
toutes les textures des personnages, les textures des décors, l'éclairage, enfin voilà, tout ça, l'animation doit être mieux, plus léchée aussi, enfin voilà, donc grosse exigence technique quand même, et en plus, il y a aussi une exigence, je dirais, de narration, c'est-à-dire que quand on fait de la télé, on est sur des formats en général plus courts, particulièrement en animation, quand on fait de la télé, on est sur des séries avec des épisodes qui durent 7, 11, 12, 25 minutes maximum, et raconter une histoire sur 11 minutes, c'est pas du tout la même chose en termes d'écriture qu'en raconter une histoire sur une heure et demie. Pour embarquer un spectateur pendant une heure et demie, il faut quand même avoir une histoire qui se tienne, qui soit plutôt bien racontée, il faut du rythme dans la narration, il faut qu'il y ait des événements qui viennent relancer l'histoire, enfin. Après, tout ça, ça prend aussi. Il y a évidemment un instinct naturel chez les auteurs à savoir raconter des histoires et avoir de l'imagination, mais il y a aussi des techniques d'écriture de scénarios. Et donc voilà, ce n'est pas exactement le même métier. Bon, ça reste fondamentalement la même chose. On raconte des histoires, mais ce n'est pas exactement de la même manière. Alors, il y a 10 ans de cela, on ne parlait que de 3D, de 4D, c'était le grand truc. 10 ans après, on a l'impression que finalement, l'effet de surprise n'est plus là et que... Bah, vous avez un avis là-dessus sur est-ce qu'on va aller vers le tout 3D ou pas du tout? Alors, tout 3D, là, je pense, Mathieu, vous me parlez de relief. On met les lunettes oui. pour voir les oui. Enfin, moi, personnellement, c'est un truc que je n'ai jamais vraiment apprécié. C'est très différent suivant les pays, en fait. Nous, puisque nos films s'exportent dans le monde entier, on a pu suivre un peu l'exploitation des films dans les différents pays du monde. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, c'est très instructif en termes personnels sur le fonctionnement et le mode de consommation du cinéma dans les différents pays du monde. Alors, en France, par exemple, ça y est, on a abandonné l'idée de mettre des lunettes 3D sur le nez des enfants. Dire que maintenant, les films familiaux d'animation en France ne sont pratiquement plus exploités en 3D. Par contre, il y a des pays comme la Russie, le Vietnam, il y a certains pays où l'exploitation est systématiquement et uniquement en 3D. C'est-à-dire que nous, nos films, on les fabrique de toute manière dans une version plate sans lunettes et dans une version relief où on doit mettre des lunettes pour avoir la profondeur, parce qu'on sait que sinon, il y a des pays où le film ne sera pas acheté et pas exploité. Parce qu'il y a certains pays où ils ont encore cette obsession. Et après, moi, c'est vrai que finalement, maintenant qu'on fait nous-mêmes des versions relief de nos films et que je les ai vus, du coup, quand même... Je trouve que oui, il y a quand même un côté sympa. Après, je pense que ce n'est pas ça qui fait que le spectateur s'amuse au cinéma. Pour moi, ça reste du gadget, quand même. Ça peut apporter une dimension supplémentaire sur des films très spécifiques qui sont vraiment pensés et conçus pour ça. Mais dans l'absolu, je ne pense pas que ce soit ça le plus fondamental. Je pense que, par exemple, c'est vachement plus intéressant d'aller au cinéma dans une salle Dolby, voir un film dans un fauteuil où on est super bien installé avec un projecteur laser qui va respecter complètement la luminosité du film et les couleurs du film et un son super génial où on va en prendre plein les oreilles où on aura vraiment une spatialisation du son, c'est-à-dire les bruits qui viennent de la gauche d'une action qui est à la gauche de l'image, on l'entend dans l'oreille gauche et inversement. Voilà. Ça, c'est vraiment le langage basique du cinéma et c'est ça qui apporte quelque chose. Après, le gadget du relief, en général, c'est souvent un gadget et ça peut apporter quelque chose sur certaines œuvres spécifiques, mais voilà, je préfère voir un film dans de très bonnes conditions de projection d'image et de son qu'avec des lunettes sur le nez. Alors, l'avenir du cinéma d'animation, ça va se traduire parfois par une interactivité accrue avec le spectateur qui va pouvoir créer lui-même son personnage, des choses réalisées. Encore une fois, moi, je pense que... Enfin, mais c'est un point de vue personnel et qui peut... voilà, peut-être que dans 10 ans, je regretterai mes propos, mais je pense qu'il y a des choses qui vont se développer en parallèle. C'est-à-dire, notre métier à nous, c'est de raconter une histoire pendant une heure et demie à un spectateur et de le tenir captif dans ça. On ne lui demande pas d'interagir. Et on sait que les gens, et les enfants particulièrement, aiment qu'on leur raconte des histoires. Ils ne veulent pas intervenir tout le temps. Les gens adorent qu'on leur raconte des histoires. Et le cinéma, c'est ça, c'est raconter une histoire à quelqu'un pendant une heure et demie, 2 heures. Et je pense que ce truc-là ne va pas se perdre, parce que les gens aiment ça. Les gens aiment être captifs et que pendant une heure et demie, eh bien, c'est nous qui leur dictons ce qu'ils regardent, ce qu'ils doivent voir, penser, réfléchir. Après, l'autre, c'est une autre expérience pour moi. C'est une expérience, mais qui n'est plus une expérience de cinéma. Et ces expériences interactives, effectivement, je pense qu'elles vont se développer. Mais en parallèle, ce n'est pas la même chose pour moi. Est-ce qu'on vend de la même manière un film d'animation aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans? Parce qu'en gros, les réseaux sociaux ont une importance énorme aujourd'hui.
Alors là, Mathieu, vous voulez dire au moment de la sortie au cinéma, par exemple ? Oui, oui, oui. Alors, c'est particulier parce que oui, les réseaux sociaux, d'une manière générale, dans le monde du cinéma, ont pris beaucoup de place et sont vachement importantes. Mais pour le cinéma d'animation, il y a quand même une vraie particularité, c'est que les enfants ne vont pas sur les réseaux sociaux ou très peu. Donc, nous, notre public, qui est quand même essentiellement les, disons, le public prescripteur, c'est-à-dire celui qui va dire « je veux aller voir ça » à ses parents, il a entre 6 et 9 ans, et les enfants qui ont entre 6 et 9 ans, ils ne regardent pas beaucoup les réseaux sociaux. Alors, oui, ils vont un peu sur YouTube Kids, etc., mais finalement, c'est, nous, on est obligés de, finalement, de continuer dans les mêmes modes de communication qu'avant, c'est-à-dire affichage dans la rue, avec une belle affiche qui fait envie, bande-annonce au cinéma avant les films, avant les dessins animés qui sortent 2 ou 3 mois avant le nôtre. Et après, maintenant, ça c'est une nouveauté, maintenant on a le droit de faire de la publicité à la télévision pour les sorties cinéma, ce qui est très récent en fait, hein, puisqu'il y a jusqu'à il y a un an et demi, on n'avait pas le droit. Donc il va y avoir ce nouvel élément, donc évidemment, à la sortie de notre prochain film, ben, il y aura des pubs annonçant que le film sort sur les chaînes jeunesse, Gulli, etc. Donc voilà, il y aura France 4, on va faire une campagne vraiment publicitaire à la télévision, puisque c'est autorisé maintenant pour annoncer... pour que les enfants sachent que le film existe et qu'il va sortir, et qu'ils aient envie de dire à leurs parents « je veux aller voir ça au cinéma ». Vous nous disiez tout à l'heure, vous êtes arrivé sur le secteur, au moment où il y avait la transformation digitale, hein, avec les images de synthèse énormément. La mode du vintage touche tout, hein, que ce soit les vêtements, les voitures, la musique. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à un truc où la mode, finalement, c'est des vrais dessins, c'est plus du tout des trucs numériques, c'est revenir au dessin animé d'il y a 50 ans ? Mais de toute façon, il y en a toujours eu, ça n'a jamais complètement disparu. Et ça revient un petit peu. Il y en aura toujours, mais il ne faut pas être naïf. Ce dessin-là, il est quand même fait sur, il est plus fait sur du papier. Hein, quand même. Il est fait sur une tablette graphique et il sera animé avec des logiciels numériques. C'est-à-dire il y aura toujours oui, des intervallistes, mais il y aura beaucoup de choses qui seront calculées par un ordinateur. Donc oui, les techniques traditionnelles survivent, mais survivent à travers une réadaptation numérique. Quel est le plus grand souvenir que vous avez eu, la plus grande satisfaction au sein de votre entreprise ? Alors, je dirais que la première, enfin, la plus grande satisfaction pour ce qui nous concerne pour la télévision, c'est quand on a gagné un Emmy Awards. Ben, on le voit juste derrière moi, là. Ouais. Voilà, donc, c'est en gros l'équivalent d'un Oscar pour la télévision. Donc, ça, c'était en 2015. Et pour nous, c'était voilà, un vrai accomplissement. Hein, au bout de 10 ans de télévision, de réussir à gagner un Emmy. Super content. Et côté cinéma, ça a été, je pense, vraiment la sortie de notre premier film. C'est, on a fait un film qui s'appelle, adapté de notre série Les As de la Jungle, donc Les As de la Jungle, le film qui est sorti en 2017, qui a très très bien marché en France et à l'étranger. Donc pour nous, ça c'était super. Réussir enfin à faire notre premier film, parce que depuis tout petit, on rêvait d'avoir un jour un film à nous sur un grand écran de cinéma. Donc réussir à faire un premier film qui sorte et qu'en plus il fonctionne, c'était vraiment génial. Même si c'est un des moments, c'est ce qui est assez rigolo, c'est que c'est un des moments les plus beaux, mais un des moments les plus angoissants de ma vie, parce que le jour de la sortie, on attend les chiffres, on attend de savoir ce qui s'est passé, on attend de savoir si les gens sont allés au cinéma voir notre film, et c'est vraiment très, très angoissant, parce que un truc qui est quand même assez dur, c'est que, je le disais tout à l'heure, on est dans un milieu ultra concurrentiel, il y a beaucoup de films qui sortent tout le temps, et la vie d'un film est malheureusement décidée très souvent dès son premier jour, et au mieux sa première semaine d'exploitation. C'est-à-dire, si un film ne marche pas au début, les exploitants, parce qu'il y a beaucoup d'offres, vont le sortir assez vite des salles, et le film est mort-né. Alors, un film, c'est quand même entre allez, 5 et 8 ans de travail. Donc, quand on sait que le sort d'un film peut se jouer sur une journée, c'est quand même assez dur à vivre. Ouais, l'euphorie à 13h30 et à 15h, la dépression, ça peut arriver. Ça peut arriver, malheureusement, mais c'est vrai que c'est très dur. Moi. C'est difficile de comprendre quand on est... Quand on ne fait pas ces métiers-là, c'est difficile de comprendre l'investissement nécessaire à la fabrication d'un film. Et le nombre de gens qui sont impliqués, les heures de travail que ça représente. Donc, c'est vrai que quand un film ne marche pas, maintenant, moi, je souffre pour les producteurs, pour les auteurs, pour les réalisateurs, pour les équipes, parce que je sais ce que ça veut dire faire un film, la difficulté qu'il y a à fabriquer des films, quoi. Mais bon, c'est dur, mais c'est comme ça. Il faut rassurer les téléspectateurs qui nous regardent. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'apologie de l'échec, qui parlait des plus grands échecs de tous les temps dans tous les domaines. Et bien souvent, l'échec ou le succès du produit n'a rien à voir avec sa qualité. Il y a d'autres facteurs, plein d'autres facteurs. Vous pouvez faire un truc extraordinaire qui ne marche pas et inversement, vous pouvez faire un truc très moyen qui cartonne. Voilà.
C'est vrai que c'est un peu cruel. C'est assez cruel, ce truc-là. Et c'est vrai que nous, on l'a constaté aussi. Hein. Nous, de toute façon, c'est vrai que nous, dans notre milieu, le cinéma, c'est assez clair. Il y a des gens qui s'appellent des distributeurs. Nous, on est producteurs, c'est-à-dire on développe des projets, on les fabrique, on finit un film et on le donne à un distributeur. Et le métier du distributeur, c'est d'en faire la promotion et de le mettre dans les salles de cinéma. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un film sort, il va être partout au cinéma où il veut. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire le distributeur qui a un film entre les mains doit aller voir les salles et lui dire « Regarde, le film que j'ai là, il est super. Si tu le mets dans tes salles, dans ta salle, tu vas faire plein d'entrées, etc. » Donc, il y a ce métier-là de convaincre les salles de cinéma de prendre le film, comme on dit. Et après, il y a l'autre mission du distributeur, c'est de faire la promotion du film pour que les gens, un, sachent qu'il existe et qu'il va sortir, deux, aient envie d'aller le voir. Tout ça passe par des achats d'espace de bande-annonces, de l'affichage. L'affichage dans la rue, évidemment, c'est payant, mais c'est très cher, etc., etc. Donc, si on a un bon distributeur qui connaît bien son métier, qui connaît bien le public et qui sait comment vendre un film et qui a beaucoup d'argent pour en faire la promotion, c'est beaucoup plus facile que le film marche que si on a un petit distributeur qui connaît moins bien son métier ou qui a moins d'argent pour acheter des espaces publicitaires. Donc voilà, et c'est vrai que ça, c'est pas vraiment lié à la qualité du film, hein, comme vous le dites. Hein. Mais n'oublions jamais que La Belle au bois dormant a été un échec absolu pour Disney lors de sa sortie cinéma. Énorme échec. Alors moi, j'ai une question, évidemment, on a dû vous la poser 10 milliards de fois. Vos trois films d'animation favoris de tous les temps, en dehors des autres, bien entendu. Oui, c'est très compliqué, ça. Alors, non, mais d'abord, enfin, moi, je vais commencer juste par parler d'un film qui n'est pas un film d'animation, mais quand même, c'est... En fait, nous, ce qui nous a donné envie de faire ce métier et qui nous a fascinés quand on était tout petit, c'est les films d'animation où il y avait des effets spéciaux en pâte à modeler, en animation image par image, de quelqu'un qui s'appelait Ray Harryhausen, qui faisait des effets spéciaux dans des films mythologiques comme... Le septième voyage de Sinbad, Jason les Argonautes, Le choc des titans. Tous ces films où on avait des acteurs, hein, c'était des films de fiction avec des acteurs réels, mais il y avait intégré à l'image des effets spéciaux avec des créatures mythologiques faites en pâte à modeler et animées image par image. Donc, Ray Harryhausen et ses effets spéciaux, et les films dans lesquels il a fait des effets spéciaux, c'est la première chose qui nous a donné envie de faire ce métier. Il y a ça. Et après, concernant les films d'animation, ben, moi, je pense que... il y a eu les Toy Story et toute l'œuvre de Pixar d'une manière générale qui pour moi est fondatrice et après l'œuvre d'Artman côté pâte à modeler là donc Wallace et Gromit et tout ce qui a suivi disons que pour moi c'est les deux piliers de ma passion pour l'animation et de mon envie de faire de l'animation de ce que j'ai envie de reproduire ou de la qualité dont j'ai envie de m'approcher et d'aller chercher c'est Artman et Pixar. Bon bah merci pour cette franchise. Alors nous avons des questions. Estelle demande: qu'est-ce qui fait aujourd'hui un bon animateur 2D, 3D? Comment peut-on se démarquer aujourd'hui par rapport aux autres? Je le disais tout à l'heure, il y a un vrai sens de l'observation, une compréhension de l'anatomie, des animaux, des humains. Pour faire bouger quelque chose, il faut analyser le mouvement. Et en fait, ce qui est important dans l'animation, c'est la compréhension des notions de poids et de vitesse. D'accélération, décélération. Si je veux faire bouger mon bras comme ça, ben soit je peux dire je le mets là à un point A, je le mets là à un point B, je le fais aller de là à là de manière rectiligne et ça va être très moche. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on bouge le bras? D'abord on accélère et puis on décélère et puis il y a ce qu'on appelle un petit retour. Mais voilà, il y a toutes ces notions d'accélération, décélération, de poids, si je porte quelque chose, comment je marche, si je transporte un colis par exemple. Tous ces trucs-là, c'est ça qui va en faire la qualité de l'animation. Après, en animation, on a souvent des animateurs qui ont tendance à suranimer, ce qu'on appelle suranimer. C'est-à-dire, moi, quand je vous parle, je ne suis pas tout le temps en train de faire ça. Je veux dire, des fois, je le fais, mais en général, quand je vous parle, je ne bouge pas tellement. C'est plus ce que je veux raconter, ça passe plus par mes yeux, ma bouche, des mouvements de tête assez légers. Donc voilà, il y a toute cette finesse de la réalité de la vie qu'on va transposer dans un truc totalement stylisé, puisqu'on est en animation, qu'elle soit 2D ou 3D, mais il faut quand même avoir cette appréhension du réel, et pas quelque part, pas trop non plus tout le temps s'en éloigner, sinon on va faire quelque chose qui ne marche pas. C'est difficile de définir pourquoi, mais ça ne marche pas ou ça ne marche pas très bien. Donc ça, c'est une observation pour moi essentielle. Oui, évidemment. On a une question de Nicolas qui demande: comment recrutez-vous et comment se faire repérer par TAT? Vous, ils ont envoyé son CV dans longtemps. Mais comment on recrute? D'abord, c'est vrai qu'on recrute essentiellement à 98% des gens qui ont fait des études d'animation.
ou des études d'art ou des écoles de dessin, si c'est sur les départements où le dessin est plus nécessaire, surtout en début de production. Pardon. Donc, on recrute essentiellement des gens qui sortent des écoles, mais en général, comment ça se passe pour venir travailler chez nous ? On publie, alors, il y a des candidatures spontanées, évidemment, mais en général, on reçoit surtout des réponses aux annonces qu'on passe. Donc, il faut suivre nos réseaux sociaux. Quand on recrute, on fait passer une annonce. Et là, en général, les gens envoient leur CV, un book. Alors, un book ou une démo, ça dépend quel est leur métier. S'ils sont dessinateurs, bien, ils enverront un book de dessin. S'ils sont animateurs, ils enverront une démo d'animation. On va l'étudier. Et si on sent quelque chose, on va d'abord passer un entretien avec la personne. Et si l'entretien se passe bien, il y aura une phase de test. Alors, un test qui dure suivant les départements, entre une demi-journée et une journée. On va vraiment demander aux gens de faire quelque chose dans le métier qu'on leur destine ou sur le poste pour lequel ils postulent. Voilà. On va leur demander de faire un test et puis à l'issue de ce test, on dit oui ou non. Bon, bah, écoutez, Nicolas, essayez. Hein. Essayez, Nicolas. J'ai une question de Théo qui demande si vous avez des contrats de prévu avec des passerelles de streaming type Netflix. Oui, alors Netflix, pour le moment, on n'a pas, nous, de projet en développement avec Netflix, de projet issu de chez nous. Par contre, on a des contacts avec les plateformes, Netflix et autres, qui nous demandent si on serait intéressé par faire de la fabrication pour eux. C'est-à-dire, ils ont beaucoup de projets, mais ils n'ont pas forcément toutes les ressources pour les fabriquer eux-mêmes. Et souvent, ils cherchent pour fabriquer leurs projets, ils cherchent des studios. Et comme nous, on est maintenant un studio assez reconnu pour la qualité technique de nos œuvres, notre capacité à produire bien, relativement vite, dans des budgets raisonnables, et, voilà, des images de très bonne qualité, les plateformes nous sollicitent pour savoir si on serait prêt à faire de la fabrication pour eux. Donc, ça ne serait pas nos projets, on serait prestataires, mais pourquoi pas, on étudie plusieurs choses en ce moment. On a Céleste qui nous demande... Attendez, j'ai perdu le truc. Oui, qui nous demande si vous faites de plus en plus des clips pour des chanteurs, des artistes, que ça vous arrive de travailler pour la musique. Ça, on ne l'a jamais fait. Non. La musique, on n'a jamais fait de clip. Mais on ne nous a jamais demandé non plus. Hein. On nous a demandé de faire plein de trucs, mais ça, c'est jamais arrivé pour le coup. Et ça dépendrait, pourquoi pas. Ça dépend qui viendrait nous voir et pourquoi, etc. Mais moi, je suis un peu ouvert à toutes les propositions parce que je trouve que c'est vachement intéressant de travailler avec plein de gens différents. Par contre, la musique, pour nous, c'est quelque chose de vraiment important parce que dans nos films, il y a de la musique. Donc, on a un compositeur, on enregistre les orchestres symphoniques. Donc, voilà, la musique, c'est quelque chose qui existe chez nous, mais pour nos œuvres. Comment ça se passe, justement, quand vous mettez de la musique qui existe déjà dans vos œuvres, ce qui était le cas dans la vidéo qu'on a vue au départ? Vous avez quelqu'un en interne qui négocie les droits ou comment ça se passe? Alors là, c'est très... les droits musicaux, c'est vraiment un monde à part. C'est très compliqué. Donc là, on fait appel à une agence extérieure spécialisée dans ça et on dit, voilà, on aimerait avoir ce titre pour tel film. Est-ce que tu peux nous dire combien ça coûte, voir s'ils sont d'accord? C'est un monde très complexe, le monde des droits musicaux. Et donc, on préfère faire appel à des spécialistes. Mais en gros, ça se passe comme ça. On se dit, là, pour les As de la Jungle, ça nous semblait tellement évident que Eye of the Tiger devait être la chanson un peu phare du film, vu le personnage, qu'on a demandé à une agence avec qui on travaille régulièrement, est-ce que tu peux nous dire combien ça coûterait d'utiliser 1 minute 30 de Eye of the Tiger dans le film? Et puis voilà, après, ils font leur boulot. Et c'était cher? Alors, on a eu du bol. C'est très cher, la musique, c'est très cher. Et puis ce titre ultra connu, c'est évidemment pas donné, mais on a eu du bol parce que il joue quand même un peu le jeu, c'est-à-dire qu'il s'aligne un peu quand même sur le budget du film. C'est-à-dire, si c'est un film à très gros budget, ils vont demander plus d'argent. Nous, c'était notre premier film. C'est un film à petit budget, finalement, même si c'est beaucoup d'argent, c'était quand même un relativement petit budget. Donc, ils ont été plutôt cool et ils nous ont fait payer de l'argent, mais pas excessivement cher. Alors, vous m'aviez dit avant de préparer, quand on a préparé la conférence, vous avez dit, bah, tout le monde est à Paris. Moi, je bosse à Toulouse. Je suis au soleil. Je suis super bien. Vous prouvez que finalement, alors maintenant, avec le Covid, de plus en plus, on peut faire du télétravail, mais on n'est pas obligé de travailler sous la grisaille parisienne. On peut un peu s'expatrier, c'est ça? Ben oui, moi je pense que oui, on peut, on l'a démontré en tout cas. Non, c'est vrai qu'au début, il y avait beaucoup de gens autour de nous qui étaient très sceptiques sur le fait qu'on puisse se développer réellement en restant à Toulouse et en ne prenant jamais de bureau à Paris, puisque nous, on a vraiment tout, absolument tout ici. Et je pense que voilà, bien sûr, à Paris, on peut s'imaginer que les accès sont plus faciles, que c'est plus facile de voir les gens, les décideurs, etc. Mais oui et non, puisque tout le monde est à Paris, donc avoir un rendez-vous avec un décideur
à Paris, c'est aussi compliqué quand on est à Paris que depuis Toulouse. Donc, moi, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des lieux privilégiés comme les marchés professionnels, le Festival d'Annecy, le Cartoon Forum, le Cartoon Movie, qui sont des événements européens où tous les acheteurs, tous les producteurs, toutes les chaînes sont là. Finalement, c'est, voilà, on a des espaces professionnels où on peut voir les gens. Ça nous a suffi, entre guillemets. Alors, évidemment, on a dû, à une époque, faire régulièrement des allers-retours à Paris, hein, d'une journée, deux journées, trois journées, de moins en moins, puisque avec les médias actuels, enfin, avec les moyens de communication actuels, il y a ça aussi. Hein, c'est vrai que maintenant, on peut parler à n'importe qui, en visio, au téléphone, et même échanger en direct, partager des documents. Enfin, voilà, c'est tellement plus facile qu'avant. Donc, je pense que c'est possible. C'est possible. Bah, merci. Effectivement, il n'y a pas que Paris. On peut vivre de ce qu'on aime, de sa passion partout en France et travailler dans des super conditions. Merci beaucoup, Jean-François. C'était très intéressant. Vous avez peut-être un conseil à donner pour quelqu'un qui ne connaît pas spécialement votre catalogue, les deux films à voir en priorité de chez vous. Ah, ben, de toute façon, il faut nos deux films, les deux films qu'on a sortis jusqu'à présent, c'est-à-dire il y a Les As de la Jungle et puis on a sorti en 2019 un film qui s'appelle Terra Willi. Oui. Qui a moins marché malheureusement en salle, mais qui est super et qui a bien marché par contre à l'international, moins en France mais bien à l'international. Et puis surtout le 11 août, donc cet été, il y a notre nouveau film qui sort, PIL, ça s'appelle PIL, P-I-L, c'est les aventures d'une petite fille au Moyen-Âge et ça va être vraiment très très sympa. Donc sorti le 11 août. Et il faut et que tu aies là. On rouvert en plus. Donc on rouvert, il faut y aller très nombreux. Merci beaucoup Jean-François. Merci à vous. À bientôt. À tous. À bientôt. Au revoir. On se retrouve avec Frédéric Fougera à 17h. À tout de suite.